Après vous avoir montré comment ajouter une diapositive à un diaporama créé avec Breezy, je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez en supprimer une et surtout supprimer celle de votre choix et non pas forcément la première ou la dernière. Donc en fait, je vais partir sur cet exemple où j'ai un diaporama avec 5 diapositives que j'ai toutes numérotées, donc de 1 à 5, logiquement. Voilà. Je vais pas toutes vous les faire. Mais juste pour vous montrer que vous pouvez vraiment sélectionner la diapositive que vous supprimez, je vais supprimer celle du milieu, à savoir la 3. Donc en fait, pour supprimer une diapositive, il faut commencer par vous positionner sur la diapositive en question. Donc là, je suis bien sur la diapositive numéro 3. On vérifie ici, voilà. Et donc vous cliquez sur l'icône en haut à droite et vous cliquez tout simplement sur la corbeille supprimer. Faites attention de cliquer une seule fois et ensuite patienter, voilà, jusqu'à ce que la diapositive ait disparu, puisque là on est passé à 4. Et si on regarde, on a bien plus que 4 diapositives au lieu de 5. Et si on fait le tour, on passe de la 4 à la 5, à la 1, à la 2, et voilà, on revient à la 4, on n'a plus de diapositive 3. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec ce tuto, donc je vous invite à le liker et à le partager sur les réseaux sociaux. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao, ciao!